Salut et bienvenue sur la chaîne Info 228. Aujourd'hui nous parlerons du football togolais et nous commencerons par l'international togolais, Ila Bebou, du TSG Hoffenheim qui a besoin d'aide. Ensuite nous parlerons de la joueuse togolaise, Mafi Iwodikou, qui a reçu de très bonnes nouvelles. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos d'actualité. On commence. Ila Bebou, l'international togolais du TSG Hoffenheim a besoin d'aide. Ils sont nombreux, ces Togolais évoluant sous d'autres cieux. Pour autant, ils ne délaissent pas leur patrie. Ils répondent toujours présents pour certains, quand le pays les appelle. Aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux qui a besoin du peuple togolais. En effet, Ila Bebou, joueur du TSG Hoffenheim, dans le cadre de la désignation du meilleur de la saison de son club, a besoin des votes des Togolais pour le remporter. Le lien du vote est dans la description, donc allez voter. Mafi Iwodikou, bonne nouvelle pour la joueuse togolaise. Arrivée en 3e division française à Auxerre en juillet 2020, Mafi Iwodikou est déjà sur le départ. En moins de 7 mois, la joueuse togolaise s'est illustrée avec de très belles performances qui ont attiré l'attention de plusieurs clubs de la 2e division. La joueuse élue meilleure joueuse et meilleure buteuse pendant 2 saisons vient, en effet, de rejoindre le FF Iser en 2e division française. Pour rappel, Mafi Iwodikou avait inscrit 7 buts en 2 matchs de coupe et un doublé, ainsi qu'une passe décisive en un match de championnat avec Auxerre. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait pour rester dans l'actualité continue.